Belle. Mon ami, bienvenue. C'est sous TAC 609 ou connecté n'importe côté où y est. Depuis où c'est haïtien, ou doit compte tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier, abonner, commenter, liker. Partager vidéo à pour travail là, capable avancer. Zami Pao Foucault. Kit blanc volé. Kit blanc pompé. Président Jovenel Moïse déclaré référendum tête droite. Si blanc fâché, la vie de monter sous ça. J'en nous te connais, eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, dans le discours président 1er janvier 2021 qui saute passé à là, dans l'occasion fête indépendance pays d'Haïti, président a déclaré que il y a trois gros chantiers pendant l'année 2021 là, qui c'est électricité, référendum et élection. Président a déclaré la kembe promesse li. Za fait, États-Unis dit pas dans référendum, Zafel déclaré référendum illégal, tout ça yo c'est bobine, parce que constitution en bal doa, puis yo capable arriver faire référendum et changer constitution sak la. Comme Zafel cabrit, pas Zafel cochon, dossier référendum c'est bagay qui gen awe ak pep haïtien, mais pas américain. Nan kasa, mesdames, mademoiselles et messieurs, question kap pose, est-ce que président Jovenel Moïse ap gen foug pour organiser référendum savri? Est-ce que blanc pa passe yon l'autre vitesse sou li? Est-ce que référendum nan l'illégal vri? Mesdames, mademoiselles et messieurs, à travers vidéo sa la, gan pile vérité pral konnen sou dossier référendum nan, ki sa ki la cause? Eh bien, yo pa vle yo change constitution, mwen invite ou, rale ti chèz ba ou, chita confortablement, fou ko zanmi info pa ou, rentre la kayou pral ba ou, tout tripotay sa yo, nan bon ti mamit. Bonjour, bonsoir tout moun, kouman nou ye? Encore une autre fois, m'abdou merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer et merci pour fidélité ou patience ou. Merci parce qu'on like, merci parce qu'on abonne et merci parce qu'on partage vidéo, ça fait nous plaisir en pile en pile. Encore une autre fois, si vous faites tomber sous channel là, pas hésiter à activer cloche notification pour là, pour pas rater aucune vidéo. C'est Zami Pao Foucault. Nous t'avons une chance de présenter un petit compte et compte ça qui c'était, papa m'gué un jardin, c'est seulement la nuit lui donner. Merci à chaque fanatique qui t'a commenté et réponse là qui c'est, Zetwell. Mesdames, mademoiselles et messieurs, en parti krikrak, nouveau compte nou gen, belle femme, kouti ma fi, dommage, li toutouni. Belle femme, kouti ma fi, dommage, li toutouni. Pas hésiter à quitter éléments de réponse pour là dans commentaire là, ça fait nous plaisir. En pile, en pile. Mesdames, mademoiselles et messieurs, causez yo en pile. Et causez-moi des chaises. Eh bien, ça qui passait, sous compte Twitter, président déclaré, dans discours 1er janvier 2021, moi t'ai dit, ce référendum, élection, énergie, eh bien, li toujours kembe promesse li. Des textes constitutionnels disponibles, li invite nous faire débat sous li, fouré j'ai gardé pour nous, ça capable changer, ça capable améliorer. On continue à parler ensemble avec peuple là, pour capable comprendre pi bien qui ça qui référendum. Mesdames, mademoiselles et messieurs, pour nous faire suite à ce que le président dit, eh bien, journée jodi ya, moi t'ai gen chance de suivre un débat sous constitution. Quel gros savé, dans le pays la France, t'as bail détail, eh bien, sous constitution 1987, là. À texte de loi qui voulait faire comprendre Jean-Monsieur Paborisitio. Expliquez-nous que référendum pas de loi fait s'il fait et mais c'est violé, il a violé constitution. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, yon gros professeur, yon doyen dans université la France, ta bail détail sous texte. Ça, et fait gros déclaration, quand elle voyait en pile gros intellectuel dans le pays d'Haïti, à le réviser français, à le réapprendre, ça n'a pas dit, puisque nous, pour qu'on gagne niveau, ça nous voulait fourrer dans tête peuple, là. Malheureusement, ça qui écrit dans la constitution, nous, c'est pas lui nous expliquer au tout bon vrai. Entendez. C'est-à-dire, une constitution qui est inappliquée est-elle une bonne constitution? Évidemment que non. L'inefficacité, ici, est absolument condamnable. Il faut que le texte soit scrupuleusement respecté et on ne doit pas avoir à trier entre les dispositions qui nous plaisent et celles qui nous déplaisent. Et ici, je n'aurais pas du tout la prétention ni la connaissance de désigner quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour désigner des coupables et des mains innocentes. C'est pas du tout l'objet de mon intervention. Mais je constate que des pans entiers de la Constitution sont restés inappliqués. Et là, en matière juridique, la première qualité qu'on prête à un système juridique, c'est l'efficacité du système juridique. Il faut que les règles de droit soient respectées. Dès lors qu'un certain nombre de règles de droit
ne sont pas respectées, ça signifie qu'il y a un problème. Encore une fois, je ne me prononce pas sur les tenants et les aboutissants. Ce n'est pas mon rôle et ce n'est pas mon métier. Je le constate en tant qu'observateur extérieur. Et de ce point de vue-là, peut-être, faut-il, comme disait l'Américain, un fresh start, un nouveau départ pour mettre fin à une expérience qui a été douloureuse pour Haïti depuis 1987, avec cette instabilité politique extrêmement chronique et qui a été catastrophique pour un pays qui a été ravagé par les cataclysmes, qui a été ravagé par la pauvreté, par l'insécurité publique. Alors peut-être que ce texte de 1987 avait des allures tout à fait par rapport à la période du Valier de modernité, mais que voulez-vous faire avec une conscience qui a quelques allures de modernité, mais qui n'a pas été en partie appliquée. Évidemment, la lettre ici devient morte, insuffisante, et il faut sans doute la remplacer. Dernière question, Metsonnet Saint-Louis, Julien Boudon également. Quel que soit le projet de constitution que les Haïtiens et les Haïtiennes envisagent d'entreprendre, quelles sont les bases en matière de droit et de fonctionnement de l'État qu'une constitution moderne doit compter dans son corpus d'articles? Julien Boudon. Un mot quand même pour sur le débat précédent, parce que vous avez posé la question fondamentale qui est celle de savoir dans quelle mesure un peuple souverain peut-il se lier les mains. Question classique et pourtant question redoutable. Dans quelle mesure le peuple souverain peut-il se lier les mains à l'avenir? C'est ce qu'on trouve dans une clause de révision de la Constitution. Il y a certaines procédures, certaines formes qui doivent être respectées. Simplement, lorsque la situation politique est chaotique, pour reprendre le mot qui a été employé tout à l'heure, lorsque la Constitution elle-même n'est plus appliquée dans des pans entiers, lorsque le Parlement ne siège même plus, donc ne peut pas réviser la Constitution, le problème qui se pose, c'est ne faut-il pas considérer, avec Cicéron, hein, c'est une formule célèbre, que le salut du peuple est la loi suprême. Et ce peuple qu'on proclame souverain n'a-t-il pas son mot à dire directement, par référendum, de la façon la plus démocratique qui soit, pour sortir justement de cette impasse et de ce chaos? J'observe que la Constitution de 1987 n'avait aucune base constitutionnelle, puisqu'on sortait de la dictature de Duvalier. De la même façon que beaucoup d'autres constitutions n'avaient aucune base légale, mais simplement le peuple souverain a usé de son droit souverain, pour reprendre les termes du contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Autrement dit, tant que ce n'est pas le président de la République, le Parlement, tel ministre, tel Premier ministre qui modifie de façon dictatoriale la Constitution, mais que c'est bien le peuple souverain qui s'exprime selon des règles honnêtes et transparentes, validées par la communauté internationale, validées par un CEP efficient, alors à ce moment-là, je ne vois pas comment on pourrait ne pas réfléchir à cette hypothèse parmi d'autres, mais en tout cas avec beaucoup de sérieux. Alors maintenant, je réponds à votre deuxième question, c'est qu'est-ce qu'elle doit contenir? Est-ce qu'elle doit contenir? Évidemment, elle doit répondre aux standards internationaux en matière de droit constitutionnel, tout en les adaptant à la réalité haïtienne. De ce point de vue-là, le comité consultatif indépendant a remis un premier projet au début du mois de février. Il a remis un deuxième avant-projet vers la mi-mai, si je me souviens bien, autour du 20 mai, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce texte? Discutons du fond. Voilà. Je suis très frappé en ce moment en lisant beaucoup la presse haïtienne, en écoutant beaucoup Radio Métropole, cela va sans dire. Je suis très frappé par le fait qu'on ne discute jamais du fond. On discute des procédures, on discute de ce qu'il faudrait faire, on discute de ce qui n'a pas été fait, on est nostalgique, on regrette, on condamne, mais on n'a jamais, en ce moment en Haïti, discuté du fond de l'avant-projet proposé par le comité consultatif indépendant, composé de 5 personnalités qui me semblent tout à fait d'envergure. Je parle ici avec beaucoup de précautions. Or, ce qu'on trouve dans cette deuxième version du projet élaboré par le CCI, je vous le dis avec beaucoup d'assurance, correspond pleinement aux standards internationaux attendus en matière de droit constitutionnel. On a des droits et libertés. On a des pouvoirs, 3, qui dialoguent, qui collaborent, qui s'équilibrent.
on a des collectivités territoriales, on a des instances qui vérifient la régularité des élections, tant dans leur organisation que dans leur contentieux. On a un mode de révision constitutionnelle. Autrement dit, ici, je le dis sans aucune ambiguïté, le projet de constitution élaboré par le CCI est en tout point conforme sur le fond avec ce qu'on observe par ailleurs, y compris dans les pays d'Amérique du Sud actuellement. Mesdames, mademoiselles et messieurs, gine bagay ou ap tande gros toro, gros save, gros professeur moun ki fait doctorat nan droit nan pays d'Haïti ap déclaré nan figi moun, même sou même ou pa ta la prendre droit mais ou ap wè ça li pa logique. Mesdames, mademoiselles et messieurs, comment ou ta vle pou gon constitution qui pa bay droit pour que référendum fait pour que vin gen l'autre constitution? Et nous connais affaire référendum son bagay souveraineté, c'est peuple qui gen pour elle, s'il veut là, s'il veut une nouvelle constitution, ça c'est li gen pour elle, et s'il pa vle tout c'est à travers référendum nan pou yo konnen est-ce qu'on capable faire? L'état pa ka just décider pour une décision di m'ap changer et puis il fini. Non, ça pa ka fait. Donc sorti 1987 pour arriver journée jodia, donc ça fait environ 34 à 35 l'année. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, si que constitution qui l'a pas bay accès pour référendum fait, pas bay accès pour changer constitution ça, eh bien, nous m'a dit, constitution 1987 là, il est égal à la Bible, rien pas changer, le prédit et puis il fait tout et puis tout bagaille est là. Donc, nous n'ayons monde chaque jour cap développé, et non seulement ça tout a gagné des nouveaux technologies cap vini. Donc, en pile invention a fait, et non seulement ça tout, imagine au journée jodia, ou ke bon moun cap voye voice bar, ou ke bon moun cap fò menace nan téléphone, ou ke bon moun cap fò des avances, le ou ale nan DCPJ ensemble avec ou di mais ça cap passé. Si moun sa son gros zouzou nem yo dou, li pa écrit nan constitution. Non mais c'est quoi l'histoire? Ça veut dire yo prend constitution, yo manipuler, yo di causer puis yo plier, yo fourel nan poche. Comment t'es ka comprendre pour que nous prend politique, nous fourel en dedans constitution? Et non seulement ça, tout l'en fin fourre l'an dans la constitution, nous fait le marché à travers l'université ou dans le pays d'Haïti parce que les qu'on sont politiciens qui fait coup dans l'université ou chita ou zombifié un paquet d'élèves ou pas vle ou comprendre qui ça qui dit également ou tellement bah yon argument ou empêcher ou comprendre qui ça qui a passé. C'est normal toute journée pour yon souchan masse. C'est normal pour faire comprendre que, eh bien, c'est l'autre moun yon qui la cause, eh bien, qui fait yon ap souffrir. Pourtant, c'est ou même qui a créé dans société a, c'est au même qui a créé des zombies, qui a créé mon tête en bas ça, qui pas jamais fait au quoi dans travail, qui chita fait au comprendre, c'est des barricades pour y arrêter, pour que y capable joindre ça y chercher. Donc admettons que constitution pas dit rien sous causer ça. Est-ce que nous t'as toujours rete à vivre en 1987 tandis que nous en 2023 tout pays a développé, tout pays a avancé? Donc mesdames, mademoiselles et messieurs, ça qui a passé dans pays à journée jodi a moi toujours dit gros paquet étranger qui pas ta remet pays d'Haïti avancé. Si les États-Unis capable camper pour dire référendum 10 date, mon pas gè problème, il était capable toujours gè position, mais ou même garder pays pour là ensemble avec pam. C'est vrai que nous sont petit pays, mais quand même là en République dominicaine, frères et sœurs bien-aimés, on prend un exemple, nous capables ouais qui j'en bagay là. Donc qui ça fait nous-mêmes nous toujours style à vivre en 1987 tandis que le monde lui-même ni en 2021, c'est quoi l'histoire? Donc mesdames, mademoiselles et messieurs, on continue tande explication que professeur ça lui-même li ta bay sous dossier constitution qui dit que ou pa gen droit changer, que ou pa gen droit faire référendum. Comme nous connaît monsieur toujours après les deux textes de loi pour dire mais ça qui dit dans constitution Jovenel sont illégal. Entendez? Mes amis, tendez avec attention, pas tendez pour tendez, mais comprendre qui ça cap dire, laisse ça pour moun suspend baou zanana pour sizan dans la ria. N'ap tourné talé. Tout d'abord un mot à propos de la question précédente pour vous dire que pourquoi on change de constitution, soit parce qu'on rompt avec le régime politique précédent, soit parce qu'on considère qu'il faut changer radicalement le modèle tout en restant dans un cadre à peu près inchangé. Par exemple, en France, on passe de la Constitution de la 4e République à la Constitution de la 5e République en 1958. En Suisse, on adopte en 1999 une toute nouvelle Constitution parce qu'on considère que l'ancienne n'est plus adaptée au temps qui passe. Et donc, on
considère qu'il ne suffit pas de l'amender, mais qu'il faut la réviser, réviser totalement. Ça, c'est pour poser les bases du problème. Alors, nous n'avons pas le temps, c'est une discussion qu'on pourrait avoir sur la question de autorité versus pouvoir judiciaire, mais je passe pour en venir à la question que vous me posez. La question tout à fait cruciale, c'est de savoir si la Constitution de 1987 est viable ou pas, est-ce qu'elle doit être maintenue ou pas. Alors, je vous remercie infiniment de m'avoir invité avec le professeur Saint-Louis, parce que tout à l'heure, je disais que j'avais cru comprendre que la doctrine, comme la classe politique, était unanime pour condamner la Constitution de 1987. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui est favorable à la Constitution de 1987, et je dois dire c'est la première fois que j'en rencontre un, donc j'en suis très heureux, parce que c'est ça qui permet d'alimenter le débat. Cette Constitution de 1987, on a tenté de l'amender, ça n'a pas marché. Est-ce qu'il faut un déclic psychologique ? Seuls les Haïtiens sont capables de le dire. Et ici, nous revenons sur un des principes cardinaux dont parlait le professeur tout à l'heure. Un des principes cardinaux, c'est-à-dire que nous sommes ici dans une démocratie. Nous sommes dans une démocratie, la Constitution 1987 proclame la souveraineté du peuple haïtien. La question est donc, puisque nous sommes dans une situation de blocage, avec un Parlement dit dysfonctionnel, qui n'est pas en mesure de remplir sa mission constitutionnelle, ses missions constitutionnelles, et notamment celle de réviser la Constitution selon les dispositions pertinentes de la Constitution, est-ce qu'il ne faut pas tenter de sortir par le haut d'une impasse ? Voilà. Et je vous le dis très nettement, d'une impasse, parce qu'il n'y a aucune solution prête à l'emploi pour adopter une nouvelle Constitution, si c'est le souhait de la majorité des Haïtiens, il n'y a aucune solution à part en passer par un référendum constituant. Vous me posez la question de savoir le respect des dispositions constitutionnelles. Je vous répondrai, et je suis trop juriste pour dire le contraire, est-ce que la Constitution de 1987 permet le référendum constituant tel qu'envisagé par le pouvoir en place ? Non, non. Est-ce qu'en 1962, lorsque le général de Gaulle veut modifier la Constitution de 1958, en utilisant l'article 11, pardon, c'est un débat un peu technique, et non pas l'article 89 de la Constitution, est-ce qu'il était dans les clous constitutionnels ? La réponse est non. Et je vous renvoie ici à une conférence de presse célébrissime du général de Gaulle du 20 septembre 1962, où le général de Gaulle explique, pardon, mais nous sommes une démocratie, nous sommes une république. Et dans une démocratie, dans une république, le peuple doit trancher en dernier ressort, car lui seul est souverain, surtout quand le pays est dans l'impasse. Voilà la réponse, je crois, la plus honnête, et encore une fois, avec toutes les précautions d'usage de quelqu'un qui n'est pas haïtien. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, à partir de détails, ça, yo, m'espérez que vous comprenez la situation. Là, m'pas caché d'où, mais moi-même, tout, m'senti m'commencer clé. Moi, t'es clé déjà, même vin pi clé. M'clé t'en compte de coco. Donc, parce que des fois, ouais, nèg yo gon bagay yo ap jere. Yo prend constitution, yo entre dans politique. Yo fait tout ça, ou vle. Et à travers constitution, yo prend pour yo même plaider devant papa mon Dieu, pour yo dit papa mon Dieu, so ap di a y pa vrai. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, comprenez bien ça qui t'est passé. Nous songe les que pétion li même de dans chambre sénat, yo fin vote au constitution. Et puis, les Christophe lui-même dit, ouais, constitution, ça a son piège, parce que Sénat a trop de pouvoir dans le même, il n'y a pas de café, il dit, bagaille là, pas bon pour moi. Ça le fait, il fait un pays à Andé, il met des bonnes idées, puis marchand de saline, il prend un pour lui. Il quitte Negio avec constitution. L'elfin quitte Negio avec constitution, les que pétition lui-même, il vient président, les qu'elle était dans la chambre sénat, t'es à l'aise pour le voter, lui. Il était contre la constitution, oui. Mais quand le passé président, il voit bagaille la pas douce. Il dit, quête, monsieur, constitution, ça a son piège. Il commence à violer loi encore en dedans constitution. L'elvin, ouais, monsieur, bah, il trois problèmes, mais ça le fait le foutre craser chambre sénat. Il fait, quand il fait sénateur, député, voler sénat, fenêtre, yo passe, saute balle dans tête, yo. Fait voler, craser, courir pas si loin. Et puis, il râle gros cadenas, les gros chaînes, il fout clété palme. Il dit, bon, vaca, bon, moi, mettez nous dire. Et puis, après, vraiment d'affin fini le réuni quelqu'un l'autre qui fait renouveler mandat pour lui le style président. Donc nous capable comprendre dans quelle situation que pays a. Et des fois moun ki nan chambre ki pi ba voter li mette cause puis coule passer en l'elle dit qu'est
monsieur, bagay la pa bon, mais qui ça intel t'a subi parce que à chaque travail ou pral fait, yo pral ralon constitution pour yo frapper devant pour yo dire pas gen doit faire tel bagay. Et puis yo même yo style rete, yo à l'aise, yo a brekob, yo fait tout ça yo gen pour yo faire. Donc mesdames, mademoiselles et messieurs, dossier référendum sont question de souveraineté. C'est peuple là qui pour aller voter pour dire si ou il veut ah sinon parler. Donc monsieur yo kap di, majorité peuple 95%, s'il te 95% vrai, tout peuple là t'a pral voter pour yo t'a voter nous t'a dit ouvrir constitution 1987. C'est parce que yo senti yo pa gen poids, même toujours dit yo pa gen poids et puis pa camper sous rien, tout qui fait que yo a dit on bagaille comme ça. Et quoi me souvle mesdames, mademoiselles et messieurs, demain matin Jovenel Moïse fait référendum, ça la foutre passer, la passer, la retourner passer encore en pile. Monsieur k'ap dou yo pas d'accord, yo même encore pral voter oui, yo konn ça yo fait très bien. Donc et les États-Unis même qui dou li pa vle des affaires référendum ni pas là dedans, nous t'es dou là dedans tout américain, et nous sommes des haïtiens là. Donc en ce sens, ou même Pérou là a développé le premier puissance mondiale, c'est toute journée l'un des conflits là qu'elle nous pour n'après l'eau, c'est toute journée l'un besoin faire élection pour n'allemand de l'argent, c'est toute journée tout ça nous gagne, c'est coton pour n'aller faire capable responsable peut-être nous tout, mais qu'on y a là si n'a prend des décisions pour prendre responsabilité nous pour changer constitution pour que nous capable ranger pays à tout ça qui mal qui dégraine gauche ouest, si n'est capable mettre au n'ra changement sous doux pas d'accord, ça c'est où la caille ou gagne loi faut la caille pas gagne loi tout li pas qu'attend qu'on s'avance. Donc mesdames, mademoiselles et messieurs, et ça te fait un plaisir pour me des fois comprendre point ça yo. Mais juste avant nous aller, frères et sœurs bien-aimés, est-ce que vous songez ti moment ça? Est-ce qu'on songe ti moment ça? Qui sont songe là-dedans? Est-ce qu'on songe comment on te comprend ti plaisir ou comme ça? Est-ce que gen moun qui songe jouet ça? Jouet ça songe que les loulou. Donc ça nous fait nous ranger trois roches d'ife et puis nous mettre ti paille bois et puis gon lougaou. Et pour même, ou son maman qui plein petit d'air, l'elle vini m'a dit, m'de met ou ti di fe la, qui est-ce qui gaël? Tisoise, so gaël! Et puis m'a dit, relè tisoise pou. Soit on dit à toute petite que le tisoise, cache maman bouke! Relè tisoise pou. Tisoise, cache maman bouke, m'dou relè tisoise pou moi! Tisoise, quand maman bouquet, l'on fin relo, tis oiseaux, pas jamais répondre. Et puis, qu'on y a là, pour mon appassé d'eau. Vend moi 5 gouda en so, wap dil descend biba, descend biba. Pour jusqu'à ce qu'elle fin descend, li pas jamais ren en so, qu'on y a là, pour kebe maman en senti, pour nous font chaîne, pour nous après les louloup, louloup, et a pas. Louga wap d'oum ta manjon, t'y vient manger. Oh, monsieur, la technologie. Téléphone crasé, feeling yo vrai, ti moun yo pa konjou nou, nou ta manjon, ti y vient manger rat. Louloup, louloup, et hop. Ou jusqu'à ce que louga ou a fin kebe tout petit yo net li pran yo. Kounya la, gon l'autre jouet ki pral entre, ou a di madame, so ap fè la, lave map lave. Kot radou, d'lo pral. Kot kilo tout, d'lo pral. Bay madame nan lè pou la lagona, vi sorte de madame vin pran lè pou kouri de madame, pou kebe madame, pou tourner ensemble avec madame. Wow! Donc, et ça c'est Haïti d'antan, souvenir yo manke nou en pile, c'était bon moment, c'était bon bagay. Frères et sœurs bien-aimés, donc, map toujours là pour me rappeler ça qui te kon passé dans tant longtemps, et pour te faire rire, faire songer, parce que ça fait longtemps qu'il te pays d'Haïti, ou nan diaspora, ou après courant 24 sur 24, ça fait longtemps, ou pas font lago en bas la pli, ou pas font lago caché dans nuit, et puis dans asre pour péter courir sous cabane pour abdi, mais y'a vin bon parce qu'on t'a courir dans fait noir ou t'es pé. Donc, n'a fait place à Voix de l'Amérique pour information nationale et internationale, n'a tourné dans un petit temps. Je encore salut tout le monde, n'a pas remercié le fait que vous quittez l'entrée la carrière aujourd'hui, c'est vendredi, c'est week-end, c'est fin de semaine. Non? Eh bien, après, remercier vous le fait que vous déjà branché avec nous pour et dernière édition nous pour ce maintenant. Côté nous parler de grands points qui sont censés dominer l'actualité. D'abord, nous avons dit que la délégation de l'OEA qui était allée en Haïti pour faciliter une solution dans la crise entre opposition avec pouvoir, retourner à Washington après une visite 3 jours côté l'y rencontrer président Jovenel Moïse avec le premier ministre IA, Dr. Claude Joseph, ensemble avec plus de 50 interlocuteurs qui sortent dans divers secteurs de société civile là avec opposition politique là. Objectif mission ça, c'était pour faciliter un dialogue qui doit déboucher sur élection libre et sans force côté.
mission ba tête li 2 semaines pour faire un rapport ba conseil permanent sous opinion li recevoir et puis nan acte yo et puis constat li fait sous place et puis conclusion avec recommandation même opposition qui était rencontré délégation dit yo même yo pas participer dans aucune élection avec président Jovenel Moïse. Dans l'autre nouvelle, quand c'est monde qui victime de pandémie COVID-19 là, pas suspendre augmenter en Haïti. D'après une dernière correspondance nous joignons dans même correspondant Mathieu Devilme qui avec nous et que n'a demandé lui Mathieu qui j'en situation sanitaire nous connaît que autorité d'abord te décrété un état d'urgence sanitaire qui était prolongé. Donc qui j'en ça qui connaît là. Bonjour Jean-Aubert, eh bien, et la situation est même toujours pareille et encore plus compliquée puisque chaque jour, et c'est toujours le monde qui teste positif que l'autorité sanitaire lui-même y a compté. Et comme nous disons par rapport à la première vague COVID-19 là, eh bien, et nous sommes capables de deuxième vague ça, il paraît beaucoup plus fragile par rapport avec des cas de monde qui mourit en bas COVID-19 là. Comme nous disons pour date 7 jours qui se passe là, eh bien, l'autorité sanitaire eux-mêmes, ils ont compté 346 000 maladies déjà tuées et 16 079 infectés. Nous avons parmi nous qui maladies ont même tué, il y a ancien journaliste et n'a pas l'aide. C'est de l'hôpital qui se trouve, madame, et ancien secrétaire d'État en communication, et puis j'appelle avec toutes les maladies entourées et tout, et Jean-Aubert. Mais toutefois, nous avons. En pire cas de la mort que mon apprécié voir, soit sur les réseaux sociaux, ou bien sur Facebook, sur page Facebook, ou bien sur des mondes qui ont mouru, mais ça va empêcher que des informations qui se connaissent, qui sont des cas de COVID-19, mais bien tout nous attendons que les gens ont fait mourir, mais on est capable de dire que les gens ont fait des problèmes, tant qu'on a parlé de revirer en et révérend David César, et Guélien tout, et Guy Christian qui mourit tout, qui s'est éopé tout, qui m'a tué par la croix de Bouchet, et bien qui mourit tout. Donc c'est comme ça la situation sanitaire, même qui a fait de chaque chose. Alors, et Machado, donc je ça parler là, en fait, nous sommes ces monde qui victime, c'est monde que c'est des connus. Et monde qui est inconnu, est-ce que ça vraiment c'est une fraction dans quand c'est monde qui censé que pandémie ou bien COVID-19 là ça c'est infecté actuellement. Tout c'est en situation, c'est ça va vraiment et pour te réfléchir dans ce qui est là, puisque c'est des gens qui communiquent, qui nous servent eux-mêmes, ils que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Ça m'a empêché tout de regarder, on crie que nous avons souvent fait des abus, des petits groupes de déficients, mais on n'a pas vraiment connu dans la population, dans la masse là, si des gens qui perdent de la vie, si ils dépendent des cas de coronavirus ou pas. Mais toutefois, on n'a pas vraiment entendu le côté que le ministère de la Public a agi. C'est ça, mais ça va empêcher de toujours mettre des mouillots pour prendre des précautions pour respecter mes barrières. Je ne pas vraiment respecter, Jean-Aubert, je ne pas vraiment respecter parce que nous devons vivre au niveau de quelques marchés, nous avons mouillé, même il est très vague, c'est comme si pas de chambre de gagner un coronavirus. Et là, nous devons vivre tout le monde qui logeait et le monde qui courait contre les batailles qui a fait et qui vient dans ma question. Oui, nous devons très vague, même si au bayo cacher tout ça, nous devons très vague, je ne pas vraiment connaître. Je n'ai pas vraiment respecté mes vies qui vont être contre la maladie. Donc, ça veut dire que nous connaissons si le ministère de la Santé publique a pris des mesures, puisque nous déjà connaissons les métiers équipes de sensibilisation dehors pour sensibiliser la population. Nous connaissons qui mesures qui a pris pour connaître est-ce qu'il y a des gens qui sont victimes de la maladie. Alors, rapidement, et Machado, dans la première annonce que l'autorité a été faite, elle a été décrétée dans la première, n'a pas eu ça pratiquement un an. Tu as un pile monde qui est motivé dans la société, que ce soit des politiques, même société civile là, et groupes d'action civique, ils ont tout été mobilisés pour sensibiliser la population. Mais elle n'a pas semblé, nous, j'ai le même engouement, ça, qui a été gagné dans le premier moment. D'après le monde qui fait communication, il n'y a pas fait comprendre que c'est confiance population lui-même n'est pas fait avec autorité. Ça veut dire qu'il manque de croire que la maladie existe vraiment.
Mais c'est un jour, mais c'est un jour qui a été annoncé la première fois que j'ai été respecté. Donc, le ministère de l'Éducation nationale a demandé pour l'école de fermer à partir de jeudi à même. Et ça va empêcher que l'école continue à faire des postulations, des signes qui sont composés, Donc, vraiment, vos mesures n'ont pas vraiment respecté, et ça, déjà, ce n'est pas vraiment respecté. Nous n'avons pas vraiment sorti de la rue pour nous dire, est-ce que pour question et pour vous faire, est-ce qu'il est vraiment respecté à 100%, nous n'avons pas vraiment informé. C'est ça, puisqu'on connaît par rapport avec l'insécurité, et donc tout le monde vraiment peur pour l'école de la rue le soir. Merci à vous, Mazado Vime. Nous souhaitons passer un bon week-end. Merci. Et puis, toujours nouvelle concernant l'actualité, nous parlons dans le sud-pays pour côté pour plus petit 10 personnes mourir, plusieurs autres blessés positifs. Dans le moment où la pandémie qu'on a vu ça a frappé Haïti, une situation qui a sauté dans le temps divers secteurs dans la population sud-pays. Reportage Jean-Ernst Discard, depuis Vidokai. Quantité moun ki mouri ak si la yo ki infecté nan deuxième vague COVID-19 lan a augmenté chaque jour nan département sud la. Directeur départemental sud santé publique lan, Dr Jean-Bernard Février fait konnen situation sa ba yo en pile ke sauté. À partir du mois de mai, nous avons remonté de cas yo, on flambé dans le sud. Côté que de 23 mai à nos jours, statistiquement, nous avons 460 tests qui fait. Dans 460 tests, nous avons 69 qui sont positifs là-dedans. Et nous avons 10 décès dans le sud. C'est pour nous dire que nos populations sont en situation qui est très alarmante, très inquiétante. C'est ça qui fait nous-mêmes autorité dans le sud. Nous avons pris des dispositions avec support redescence ministère avec exécutif là pour nous prendre des mesures appropriées. Une disposition que nous avons pris dans le sud, c'était remobiliser l'équipe que nous avons qui était formation. Parce que pour assurer la prise en charge, il ne faut pas oublier que c'est une pathologie qui tue en pile monde, mais qui tue les gens dans un petit bout de temps. C'est ça qui fait la prise en charge là, supposé son prise en charge qui est optimale, qui est correcte. Représentant quelques secteurs dans le sud, commencer à exprimer inquiétude yo. Porte-parole rassemblement commerçant yo dans sud-béyan Ferguson Calix fait connait évolution pandémie dans région sud là commencer faire gros impact sur commerçant yo. Bon, et COVID-19 a livré m'a fait rage sur nous-mêmes parce que ça ralentit activité commerciale là complètement parce que tout le monde un peu confiné ko yo la kayo yo pas prendre la rue yo peur parce que yo vin moi son vérité et maladie a est tout bon surtout dans le département sud là. Oui, un pile moun mouri parce que et représentant l'état a dit que c'est 10 moun mais nous connaît les moun yo mouri ici yo enterré yo sans pas fait test sous moi donc pour nous même il y a plus moun mouri que ça. Président syndicat chauffeur ak propriétaire machine dans sud paysan Bertrand Banat fait connait syndicat adopté yo série mesures pour empêcher plus de monde infecté. Disposition nous prend connia là, n'a dit à tout le monde que ou à privé la station ou à bien chauffeur manager travailler et un masque porté. Et n'a demandé à population qu'a utiliser transport là pour faire même façon porter un masque parce que très prochainement il monde pas qu'à monter une machine sans pas porter un masque. Et ça c'est pour protection pour tout le monde. Ou gain dans sur le marché ou porter maladie pour porter la caillou. Sous poton masque ou ka invité pour maladie pour porter la caille. C'est raison pour laquelle nous prenons disposition ça. Pendant ce temps, direction départementale sud santé publique annoncé réouverture centre COVID-19 sanatorium au Kaila qui était fermé et qui gen la dedans pour coller là 40 cabanes à qui un personnel qualifié pour prendre soin malades qui infecté. Ensuite, centre là l'ouvrit tout pour moun ki gen symptôme ki vle fè test pour konnen état santé yo. Jean-Ernst Eliska pour la Voix de l'Amérique au Caï. N'a rappelé nous que ça va gen longtemps depuis mardi 1er et juin te gen un gros lisse frappé nan entre sud capitale haïtienne nan Port-au-Prince côté nèg armé te censé attaquer et attaquer l'une t'a pas attaqué l'autre.
Donc population qui te prend dans et tout ça te sauvé qui te zone côté habité a et t'a allé prendre refuge dans plusieurs côté t'a connu dans l'église sous place publique t'a allé tout dans sens sportif tout qui dans carrefour tout côté t'a joindre refuge et depuis là ça population toujours là correspondant nous Mathieu Dovi mettait font visite dans zone là pour nous et yo t'a visité et zone là il t'a côté rencontrer avec résidents ça yo résident temporaire ça cap babier pour situation côté a demandé autorité pour yo bay on cede aide pendant que tout yo plein le fait que et autorité ou bien aide qui vient général d'aquet a mal distribué tant que yo pas joindre ça peut ta joindre ou bien gen monde qui joindre et gen l'autre qui pas joindre dans sens ça correspondant nous Massado Vin mais qui t'ai fait une visite en zone là qui t'ai rencontré avec un responsable dans sens sportif Carrefour c'est Gutenberg Destin qui lui c'est coordonnateur comité communal pour commune Carrefour qui c'est principal représentant de l'état haïtien sous site là et bien la puisque qui Jean et problème accompagnement et qui difficulté tout lui même tout lui rencontrer dans façon il a distribué assistance by population qui une prend refuge dans sens sportif Carrefour depuis environ 4 à 5 jours mais avant ça était dans l'église Mont Carmel c'est dans Mont Carmel là que était recevoir en premier moment et puis après il était fait démarche pour nous capable venir ici là mais par rapport à condition yo connaissez pas ton situation que nous était préparé pour lui. Donc là on y vient n'était seulement gain espace ça pour y on pas gain en plus pour capable bailler en terme d'aménagement. Là seulement ça n'était capable gérer dans premier moment yo, c'était causé manger moun yo pour pas manger avec de l'eau. Et dans sens ça gain un paquet moun dans commune là qui non élan de volontariat et participer dans aider gain moun qui porter de l'eau, gain moun qui porter manger et yo porter avec tout cœur sans garder derrière. Donc nous t'ai joine en pile support dans mes communautés Carrefour là pour capable aider moun ça là. Dans les nous t'ai un petit problème par rapport à mon capi de nous, Myria a été supplié à demande bio, à demande en alimentation et en eau. Maintenant, depuis hier, nous plus ou moins commencé à aménager l'espace là. Toute famille qui gagne petit bébé, qui gagne petit monde en bas âge, nous assurons que nous gagnons au minimum, c'est pas encore ça, mais au minimum, nous gagnons un matelas au moins pour petit monde dormir. Toute famille, ça y est, nous gagnons un kit d'hygiène qui va là pour une famille gagne minimum 5 personnes. Donc ça commence à venir, c'est pas encore tout ce que l'on peut offrir, mais par rapport à ce que nous avons gagné, nous sommes capables de dire que nous plus ou moins commencé à faire effort pour que nous soyons capables de semblant de dignité. À date, nous recevons support dans UNICEF, en pile support et support technique et support en matériel dans UNICEF. Nous recevons support dans PAM, qui aujourd'hui a fait un suivi pour nous capables de jouer manger, pour nous capables de cuire pour nous dans l'espace-là. Nous avons support dans OIM, dans DGPC, Direction générale de protection civile. Nous jouons un support dans ADRA, parce que c'est grâce avec ADRA qui fait nous capables de gagner des toilettes qui sont disponibles sur le site là pour nous capables d'effectuer les besoins. Nous avons des toilettes sur le site là déjà, des toilettes sportives, mais qui ne suffisent pas pour la quantité de gens. ADRA, nous avons mis pour nous. Là, nous avons 8 toilettes qui sont disponibles et nous avons 12 autres qui sont venus encore pour nous capables de faire besoin. Donc, nous avons un paquet de partenaires. Nous avons une association des entrepreneurs de Carrefour qui va recevoir par eux. Donc, nous avons un paquet de gens qui aident nous. Non, ça ça. Et nous gagnons une clinique mobile qui n'a pas réalisé dans l'espace là. Et clinique mobile là, vient de support UNICEF tout. Son organisation locale qui est le Mofavida, qui vient de support UNICEF pour capable organiser clinique mobile là. Entre temps, et d'après déclaration quelques monde qui loge là, tu as fait comprendre que vous subi ça qui est le parti pris. Comme quoi les distribution, c'est un parti qui joigne et tout ça. Comment nous-mêmes nous faisons gestion ça? Ok, naturellement, il faut nous comprendre. Et la solidarité tout le monde ce n'est pas tout le monde qui a une possibilité de faire 1089 personnes. Il y a des gens qui sont capables de venir là, ils peuvent pour 50 personnes. Parce que c'est possibilité ça a gagné. Il y a des gens qui viennent qui peuvent pour 200 personnes, c'est ça a gagné comme possibilité. Dans les gens qui viennent, ils font distribution de 200 personnes. Donc c'est normal qu'il y ait toujours des gens qui peuvent être lésés. C'est ça qui fait depuis le deuxième jour que nous sommes là. Nous faisons en sorte que tout le monde connaît qu'il faut qu'il passe par la structure de coordination. Même si il y a des gens qui peuvent être comme ça, qui peuvent être d'accord comme ça, mais nous tiens à ce qu'il faut que tout le monde passe par la structure de coordination. Et si vous portez 200, on dit plat chaud pour moi, que je connais ma besoin de 300 dans mon autre monde, je préfère tant de gens venir ensemble pour me faire la distribution. Mais il y a un peu de monde qui voulait intervenir, qui voulait que c'est eux qui font la distribution, que c'est eux qui paraissent. Donc, dans ce sens, ça pose des problèmes. Donc, c'est ça qui va faire que les gens pensent que vous avez parti pris, premièrement. Et puis deuxièmement, Jean Zoulan, nous pas de gain, nous te commencé à recevoir kit yo, nous pas de gain pour tout le monde. Nous obligé prioriser moun qui gain plus besoin spécifique yo, moun qui gain petit bébé yo, femme enceinte yo, moun qui est à vieillir et moun qui gain besoin, moun qui en handicap. Donc on moun qui sont jeunes garçons même j'avais
a toujours estimé qu'il est lésé parce qu'il n'a pas recevoir. Donc ce n'est pas forcément parce que mon dit qu'il y a un parti pris qui fait obligatoirement ce parti pris gain, parce que mon n'a pas dans la situation pour le comprendre. Ce sont des gens qui ont besoin. Donc là, on va attendre à ce que le besoin soit satisfait. Malheureusement, vous comprenez que avec les moyens qu'on a, il faut être capable de jongler pour être capable de. C'est le coordonnateur du comité communal pour la commune Carrefour, qui est le principal représentant de l'État haïtien sous site là, donc dans le sens de Carrefour, qui a assisté les gens qui sont victimes, laissé frapper armés qui gagnent en deux bandes rivales. Nous avons salué quelques téléspectateurs qui suivent nous en direct sur Facebook. Nous saluons Jovenel Ulysse, Jean Maitine, Tigoro François, Chaléus, L'Homme Padier, Léonard Compé, Pierre Lucis, et puis Jean-Daniel Désir, semblait l'autre monde, que, qui l'a tout et cap suivre nous tout. Nous parlons toujours de la nouvelle concernant le pays d'Haïti. N'a dit que grand point qui était dominé l'actualité a, avec correspondant nous, Renan Toussaint, des Port-au-Prince. Semaine lundi 7 pour arriver vendredi 11 juin 2021, l'ouvrit à Guyon délégation, organisation, l'État américain, OEA, qui effectuait une visite 3 jours dans le pays d'Haïti, dans le cadre des marches pour joindre une solution à la crise politique haïtienne. Pendant la visite, la commission spéciale organisation hémisphérique, j'ai parlé avec le président Jovenel Moïse, président Sénat haïtien, sénateur Joseph Lambert, avec plusieurs leaders politiques, notamment ingénieur Rosemont Pradel, qui fait partie direction politique opposition démocratique, là, dit que yo fait émissaire OEA yo konnen yo pap ni cohabiter ni yo pap participer nan élection ak Jovenel Moïse. Nan phase nou rele et crise conjoncturelle là pour résoudre li il faut qu'on évacue Jovenel Moïse du palais national. Gen yon brèche nan opposition ki pat chita parler ak délégation OEA, c'est secteur démocratique ak populaire là côté porte-parole. Structure ça, M. André Michel dit, c'est parce qu'il n'y a pas fait organisation hémisphérique la confiance. L'OEA a un comportement de complaisance politique dans la crise. Là. Et il a une responsabilité morale et politique dans la crise du pays d'Haïti à vivre aujourd'hui. L'OEA a assisté, l'OEA a fait un gel pendant Jovenel Moïse, il a plus passé 7 élections pour le défendre dans le pays à l'Alpha. Plus passé, yon 60 partis politiques qui regroupaient tête yo en babonnette initiative parti politique pour avancement et changement IPAC dénoncé démarche OEA yo dit qui pas inclusive. Nous contestons ça énergiquement et nous demandons organisation État américain pour reviser stratégie yo, si effectivement yo vin accompagner nous mêmes en Haïti. Si effectivement, ils viennent encourager nous pour nous prendre route dialogue, eux-mêmes, une forte démarche, c'est une démarche qui est inclusive. Pendant ce temps, le Conseil électoral provisoire dit référendum n'a pas fait 27 juin 2021 encore, aucune nouvelle date pour qu'on fixe. Secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, dit les États-Unis pas n'a causé référendum avec Jovenel Moïse. Dans ces insécurités, plusieurs centaines de citoyens qui abritaient dans le centre sportif Carrefour après une armée dans la zone Matissan, qui courir derrière eux en bas coup de zam, exprimaient mécontentement par rapport à l'autorité compétente. Ils dit qu'ils ne pas accompagné en termes d'assistance humanitaire. Situation insécuritaire là toujours existé dans direction sud entrée capitale haïtienne Port-au-Prince, plus précisément Matissan ak Fontamara, côté nek ameyo pas jamais suspend tiré coup de zam. Yon leader dans société civile là Joseph Domingue Orgela mandé autorités concernées yo assumer responsabilité yo pour redresser situation ça. Si yo pas capable, c'est fou yo et pour yo faire appel à la nation. Pour nation li même li connait ça pour le faire parce que il y a des moun li ba responsabilité. C'était avec un pile tristesse les nous gagné presque 5 départements qui fait 4 jours bloqués. Dossier santé. Pandémie coronavirus là continue touye moun en Haïti après autorité sanitaire yo
te fin découvrir deux variants anglais et brésiliens. Dernier cas, l'amour, c'est Esther Doristal, journaliste, madame, ancien secrétaire d'État communication, Eddie Jackson Alexis. En termes de mesures préventives, autorités compétentes, yo, pourquoi jamais adopter aucune décision concrète pour ta sensibiliser population par rapport à la pandémie ça, sauf que on connaît que gain état d'urgence sanitaire qui décrété, mais d'après un pile monde qui pas respecté. Perspective pour semaine prochaine, un pile secteur dans vie nationale là, lever la voix pour demander citoyens et citoyennes yo respecter principes sanitaires yo, laver main de temps en temps, mettez cache-nez si ou pas besoin, pas sortir pour éviter propagation pandémie coronavirus là sous territoire national. Moi c'est Renan Toussaint pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Mes conseils, agence américaine CDC a bay parents yo façon pour protéger ti moun yo contre pandémie COVID-19 là. Actualité internationale, la Grande-Bretagne, c'est pays qui a recevoir Anessa sommet G7 là qui tombe jeudi vendredi à Lionel Demarat pour aller avec nous quelques thèmes qui sous agenda des 7 pays plus gros pays industrialisés dans le monde pour année 2021. Dans la journée lundi 7 juin 2021, secrétaire général Organisation Traité Atlantique Nord l'OTAN, Jens Stoltenberg, a visité la Maison Blanche ici de Washington. Côté le déclaré, président Joe Biden pral recevoir un accueil plein chalet pendant visite la fait semaine ça en Europe. No other major power has so many friends and allies. Aucun. Non, je on c'est pas vidéo ça n'a pas annoncé mais n'a pas aller ça est avec vraie vidéo avant de parler de sommet qui commence jeudi vendredi. Can I begin by welcoming everybody to Carbis Bay? And thank you all very much for coming. It is genuinely wonderful to see. Sommet G7 là qui réunit leaders 7 plus gros pays industrialisés dans le monde, commencé vendredi 11 juin 2021 dans ville Cornwall, dans partie sud de l'Angleterre. Côté objectif participant yo Anessa, c'est fixer une stratégie pour yo prendre tête lutte mondiale contre pandémie COVID-19 là. Et puis jeter base une coopération qui plus solide pour bâtir un avenir qui plus brillant, plus prospère et plus équitable. Participants aussi président Joe Biden États-Unis, Premier ministre Boris Johnson, les deux pays organisateurs à la Grande-Bretagne, Premier ministre Justin Trudeau Canada, président Emmanuel Macron la France, chancelière Angela Merkel l'Allemagne, Premier ministre Dario Draghi Italie, Premier ministre Yoshihide Suga, Japon, avec présidente Commission européenne Ursula von der Leyen comme invité spécial. Pays membre G7, c'est pays allié qui gagne rapport très serré. En même temps que c'est deux gros partenaires économiques qui gagne même qualité vision avec objectif sous question sécurité avec coopération. Mettez ensemble, ils représentent environ moitié toute économie mondiale là. Sommet G7 La Prale prend fin dimanche 16 juin. Après édition Anessa, qui est en Koundila, a déroulé dans la partie sud de l'Angleterre, président Biden prend continuer tournée européenne, non, avec un voyage dans la ville Bruxelles, pays Belgique, côté il prend participer dans le sommet l'OTAN. On va la rencontrer avec l'idée de la Russie à Vladimir Poutine, dans la ville Genève, dans la Suisse, mercredi 16 juin prochain. Lionel Demarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Et président Biden offrit 500 millions de doses de vaccins pour presque 100 pays à travers le monde. Tout de suite, après un mini-sommet entre président Joe Biden avec le premier ministre britannique Boris Johnson, qui a accueilli le sommet G7, le président américain a annoncé que les États-Unis ont offert 500 millions de doses de vaccins comme don par presque 100 pays pauvres. Les États-Unis vont acheter 500 millions de doses. États-Unis a acheté 500 millions de doses de vaccins COVID-19 pour offrir comme cadeau à presque 100 pays qui ont une grande nécessité pour lutter contre la pandémie. 200 millions de vaccins Pfizer a livré d'ici fin année 2021 et reste 300 millions à distribuer en juin 2022. Quantité ça vient ajouter sur l'autre 80 millions de doses administration a déjà pris engagement pour le bail d'ici fin mois juin 2021. Our vaccine donations don't include pressure for favors or potential concessions. We're doing this to save lives,
to end this pandemic. President Joe Biden déclaré nous pas fixer aucune condition pour nous payer ce vaccin, non plus pour nous faire aucune concession en échange. Nous faisons seulement pour nous sauver la vie, pour mettre fin à la pandémie. Le fait que le président Biden choisit pour faire annonce la veille sommet G7 pays industrialisés, c'est signe que la mette pression sur le groupe pays riche pour suivre. L'idée américaine a rejeté l'accusation comme quoi les États-Unis a plaidé acheter vaccin pour l'accumuler. He's trying to signal that America isn't intensely parochial and inward focused, which I think has been a deep concern not only for the Leslie Venjamouri, qui travaille dans Chatham House, déclaré président a essayé de signaler aux États-Unis pas seulement à garder la Kaili, même Jean avec ancienne administration Donald Trump, te qu'on fait pendant la pandémie, les États-Unis étaient simplement pas de partager le vaccin avec personne. Mon quoi président en bas de pression mondiale pour le partager le vaccin pour le capable jouer un rôle leader. Quelques temps après annonce président Biden, le premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé la Grande-Bretagne a offert 100 millions de doses de vaccins additionnels. Et des groupes G7 pour engagement dans beaucoup de pays autour pour faire cadeau 1 milliard de doses de vaccins pendant le sommet 3 jours qui commence vendredi 11 juin 2021. So far, data show that none of the existing variant strains. Ça, merci parce qu'on t'a suivi avec attention et merci pour fidélité ou patience. Moi, pour aller, ma quitte au nombre à papa Bodje parce que c'est lui-même celle qui est capable de protéger ou bah, la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde, n'a croisé dans l'autre vidéo. Non pas M. Foucault, au revoir, à la prochaine. M'ramasse paquet, moi. Cause, habitant pas misé la ville. M'pralé. Mais, ma quitte au nombre à papa Bodje parce que c'est lui-même celle qui est capable de protéger ou bah, la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde, n'a croisé dans l'autre vidéo. Au revoir.